Salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du mouvement comme vous l'avez vu dans le titre. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. En espérant que je ne sois pas le seul qui poste du contenu sur ce mouvement-là, ce n'est pas un drama les amis, ça n'a rien à voir, c'est pas un drame, c'est juste, vous le savez vous-même, qu'on a très peu de contenu, excepté l'événement qu'on a eu récemment pour gagner 900 Eurocoin, un peu plus de 900. C'est un bon point. Depuis le début du jeu, il y a eu pas mal d'améliorations. Mais réellement, ce que l'on veut là, c'est vraiment du contenu en solo, du nouveau contenu en solo. Pourquoi pas un nouveau mode 2v2, ça serait cool. Il y a plusieurs idées qui pourraient arriver, des difficultés pour nous faire gagner des ressources, des tickets sur les portails premium, sur les tickets, enfin des tickets violets également, etc. Du coup, je vais vous parler du petit message que Zoro a fait. Du coup, on est ici. Et voilà, là j'ai fait un RT, j'ai arrêté de parler parce que il a mis un petit truc. Juste sur un point où je suis pas d'accord avec lui, c'est le fait de mettre une étoile dans le Play Store et dans le Google Store, ça sert à rien. Enfin, on peut faire deux, trois étoiles, mais une étoile, ça va juste rendre le jeu encore plus toxique qu'il ne l'est. C'est vrai que ça nous a permis sur le premier mouvement de nous faire entendre et d'avoir accès un réajustement, excusez-moi pour le bégaiement, un réajustement sur Endeavor, mais derrière les amis, il y a eu énormément de choses toxiques derrière. Ça a rendu les joueurs toxiques les uns envers les autres, la communauté est devenue un petit peu plus toxique, que ce soit vers les Espagnols, les Anglais ou les Français, et ce qui fait que ça a eu une action négative sur le jeu. Dans tous les cas, si vous avez la flemme d'envoyer un message ici, si vous avez la flemme d'envoyer ce message ici, là ou par mail, vous avez juste besoin de faire ça, copier, et vous allez sur ça, sur l'une de leurs publications, et vous allez ici, vous faites ça. On colle. Et voilà. Juste des petites manies comme ça, à droite, à gauche. Vous spammez. Et au cas où, quand vous allez dans le Play Store, ici, que vous faites, vous envoyez un petit message pour dire que ce que vous voulez, ce qui ne va pas. Comme vous le savez, juste là, il y a eu énormément. Il y a eu énormément d'une étoile. Bon, là, il a abusé. Je mettrais 0 étoile, le jeu a marché une semaine. Vous vous rendez compte à quel point c'est court. Maintenant, le jeu prend 10 minutes à ouvrir et quand il a. Non, par contre, lui, il abuse. Lui, il abuse. Vous voyez, ce genre de commentaire, c'est complètement inutile. C'est-à-dire, on a quasiment 1h30, 2h de farm. Au minimum, on a réellement 1h à 1h30 de farm par jour. Hein. Que ce soit le Co-op Battle, le Warzone, fumer la stamina en Night Ops ou quoi ou autre. On en a pour une petite heure, 1h30. On compte avec le PVP en temps réel aussi. Et voilà. Je viens juste d'acheter un pack. Lui, bon, lui, il a eu raison. Bon, lui, c'est un problème personnel. Et du coup, vous allez ici. Et vous, ce que vous faites, vous avez juste besoin d'envoyer un petit commentaire où vous dites ce qui ne va pas. Avec une bonne construction. Avec une bonne construction. N'empêche, mine de rien, 52 likes. Mine de rien, c'est pas mal. Du coup, vous allez ici, vous allez ici, vous sélectionnez Advice and Suggestion, vous mettez votre adresse mail, vous sélectionnez le 12 août 2021. Le sujet, le titre du sujet, vous allez mettre amélioration du contenu. Vous pouvez écrire en français. De toute façon, les langues acceptées, c'est l'anglais, le français et l'allemand. Et vous mettez French.
Et après, pour l'ID, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un truc au hasard. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent réellement. Après, ici, précisez votre, si vous voulez préciser votre pseudo, vous faites-le. Pareil pour le serveur. Et pour device model, écrivez juste iOS ou Android. Et vous n'avez pas besoin de préciser. C'est juste pour remplir l'espace, c'est tout. Le reste, vous vous en foutez. Concernant la description, vous faites ça. Copier-coller. Ce lien-là, je vous le mettrai. D'ailleurs, ouais, c'est un truc à appliquer avant fin septembre. Parce que, en soi, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi dans le sens où ils vont se dire c'est inutile de faire ça. Vous n'allez pas être du même avis dans le sens où vous allez trouver ça débile. Mais en fait, on fait ça parce que. Quand je compare avec les autres jeux, que ce soit One Piece Bounty Rush, Dokkan, Bleach, les gens ils se sont fait entendre au bout de 3, 4 ans, 5 ans, 2 ans, et même réellement, là à l'heure actuelle, DB Legend il est en train de creuser sa tombe. One Piece Bounty Rush, ils sortent des bonnes unités, mais ça manque de contenu. Ils ont créé un nouveau truc là. Ninja Tribes, au bout d'un an et demi, y a rien eu. Enfin, là, ils ont sorti un nouvel event qui nous permet de gagner des fragments sur les persos de rareté maximum. Mais c'est des événements qui auraient dû être là dès le début. Ainsi de suite, il y a pas mal de jeux dans le même genre qui ont eu du mal à revenir parce que ils n'ont pas voulu écouter la communauté. N'oublie pas que le plus important dans un jeu de ce style-là, c'est que les développeurs, la CM, les pages des réseaux sociaux doivent être plus ou moins à l'écoute avec la communauté. Il y a des idées de fou à faire. Par exemple, je prends l'exemple de One Piece Bounty Rush. Ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est que une fois par mois ou deux fois par mois, ce qu'ils font, c'est simple. Ils font un petit concours où il faut pas atteindre un petit. Il faut atteindre. Un nombre de likes et de RT sur Twitter. Ce qui fait que derrière, ils gagnent des abonnés. Ils permettent aux joueurs de gagner 50, du coup, une multi. Derrière, ils sortent un bon événement qui nous permettent de gagner deux multi, une ou deux multi, etc. Et même des ressources qui permettent d'améliorer les personnages. Et en fait, c'est ça qui rend le jeu plus ou moins jouable. Même si ça manque de contenu, derrière, ils font des événements qui nous permettent d'invoquer. Et c'est pour ça qu'ils continuent à gagner des joueurs. Même sur le store, dans le store à nous, quand je tape One Piece Bounty Rush, réellement, ils ont quasiment 300 000 avis. C'est ce qui équivaut à quasiment entre 1 et 5 millions de joueurs. Vous voyez? 268 000 avis. On va arrondir à 277 000. La note est à 4,4. C'est un bon jeu. Il a été noté très positivement. Moi, j'ai arrêté derrière parce que ils ont ajouté pas mal de choses dans. Enfin, j'ai perdu mes comptes. Et derrière, ils ont ajouté un système plus ou moins pay to fast, pay to win qui privilégie ceux qui mettent de l'argent. Ils l'ont plus ou moins eux-mêmes dit. Avec ce nouveau système d'abonnement. Enfin bref, on est là pour parler de ça. Imaginez juste si ils appliqueraient la moitié de ce qu'on demande ici, ne serait-ce que des concours qui nous permettent de gagner une multi par semaine, enfin des concours RT Favelike qui nous permettent de gagner à droite à gauche, ça serait positif. Là, j'aurais dit ce petit message rapidement, ne soyez pas égoïste et pensez davantage à la communauté même si ce sera plus bénéfique pour vous d'être plus à l'écoute avec une connexion via les réseaux plus active. Parce que là, à l'heure actuelle, le seul truc qu'on a via leurs réseaux sociaux, c'est la sortie de nouveaux événements, de nouveaux portails, de nouvelles unités. En dehors de ça, on a rien. Bon, il y en a beaucoup qui. Voilà, bon Zoro qui parle, on s'en fiche, le jeu est ennuyant et son contenu, t'es content d'avoir eu ton hoax et maintenant tu le spam en light ups et PVP pour optimiser le reste de ta box sans oublier les mini-jeux pour gagner 10 rocoins par
par niveau. En sachant qu'on que par événement, on gagne 160, c'est même pas une single. C'est pas énorme. Un événement qui nous fait même pas gagner une single, les amis, c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Dans tous les cas, c'est une bonne idée à faire. Copier-coller ça et vous spammer ça dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore Instagram. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Si vous avez des suggestions concernant les idées à mettre dans les commentaires, faites-les, mettez-les dans leur page à eux, ici. Ça serait cool que vous le mettez aussi sur cette page-là, la page américaine. Crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Et du coup, vous spammez ici. Spammer ici, vous faites copier-coller. Enfin, bon, moi j'ai fait une mauvais bail, mais enfin, bref, vous savez maintenant comment faut faire. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine, prenez bien soin de vous, et j'espère que le mouvement sera pris par d'autres youtubeurs également. Peace, et prenez bien soin de vous, ciao.